Yo les frérots, j'espère que vous êtes tous très 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 bien. On se retrouve pour la dernière ligne droite avant la fin de TDU. La fin enfin. La fin enfin. Ouais, la fin enfin. Bref, pas grave, la fin enfin quand même. Donc les frérots, très contents. Hein. Chocapic, t'as reconnu, hein, comme d'habitude. Alors cette fois-ci, ça sera à l'heure. Ah bah oui, je l'enregistre 2 jours avant. Ah bah oui, non mais là, il y en a. Là les gars, moi, oh, j'en ai marre. Ah la co, j'en ai plein le cul. Ah oui, ah bah oui, j'en ai totalement plein le cul. Là, autant te dire que là. Ah oui, non mais là, honnêtement, les gars, j'en ai vraiment marre. J'en ai vraiment marre, les gars. Je vous le dis sincèrement. La co. Et le pire, c'est que j'ai la fibre que dans un mois, normalement. C'est horrible. C'est horrible. Alors, une fois qu'on aura la fibre, là, après, là, on s'en branle. Hein. Là, c'est live tous les jours. Bah, peut-être pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine. Et ouais, là, on va mettre en place des trucs, les gars. Non, mais là. Tu te rends compte, la dernière fois, j'avais 200 mégas. 200 mégas. C'est quand même beaucoup, 200 mégas avec la 4G box. Hein. Il m'a fallu 3 heures pour envoyer une vidéo, bah, le let's play, alors que d'habitude ça me met 30 minutes. Et j'avais 200 mégas. Donc, ah oui, c'est. Ah oui. Ah, au bout d'un moment, voilà quoi. J'en ai un peu beaucoup marre. Donc c'est vrai qu'il y a des moments, honnêtement, ça me décourage de faire des vidéos, mais bon, je le fais quand même. Je prends mon mal en patience. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. Bon bah dernier championnat là. Dernier championnat, après Let's Go Baby, on se casse. On se casse et je vous réserve peut-être une. J'ai loupé le point. Ça commence bien. Une dicta. J'essaye de sortir des mots corrects pour faire le mec cultivé qui sait parler français. Pas pourquoi ça marche pas. Non mais voilà, c'est je suis content là d'arriver à la fin de TDU. Alors ça aurait été une bonne expérience hein, de se replonger dans un jeu dans lequel j'avais totalement oublié. Et ça fait plaisir, ça fait quand même plaisir hein. J'espère que ça vous a fait plaisir les gars. Bah, alors c'est pas terminé hein. Il nous reste un épisode. Si tout va bien, il nous reste un épisode. Ça sera le dernier, ça sera le tour de l'île. Ça sera le tour de l'île et puis c'est tout. Hein. Il y aura peut-être un dernier. Alors je vais pas le faire en live, malheureusement. Bah, vous savez pourquoi maintenant par rapport à la co. Mais c'est pas grave. Hein. Je vous ferai un tour de l'île encore une fois en 1 heure. Ça durera le temps que ça durera en vidéo et puis on aura fini TDU. Mais ouais, comme je vous ai dit, je réserve une petite surprise. Vous inquiétez pas. Alors, le panneau, la route de merde, au bout d'un moment, voilà. Vivement. Ah, nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère. Oh, vivement, vivement la fin. Vivement la fin, quoi. Et je pense que tu vois. L'autre fois, j'ai regardé, et en fait, j'ai regardé à peu près les stats. Alors, vous savez que les stats des Let's Play, je m'en fous. Mais c'est vrai que quand tu regardes ce que je faisais sur un NFS, bah, sur un NFS, ça emmène beaucoup de monde, hein, quand même, hein, un peu plus. Hein. Parce que de base, bah, voilà, NFS, c'est. J'allais dire c'est moi, mais bien sûr que non, c'est pas moi. Mais vous avez l'habitude de ça, donc voilà quoi. Et je pense que bah, beaucoup de personnes me disent c'est quand que tu reprends comment ça s'appelle? Pro Street, etc. etc. Alors Pro Street t'inquiète. T'inquiète pas, si je m'y remets frérot, je vais devoir déjà tout me retaper tout seul. Hein. Ah oui, tout me retaper, tout. La totale. Tu vois, toutes les fois où j'ai ragé. Et eh ben je vais toutes les refaire en solo pour vous.
Elle est gentille, JCK. Ça pa... Pardon? Pardon? Je suis passé totalement à côté, alors qu'il y a certaines courses, ils m'ont fait chier. Ouais, il y a Pro Street, il y a Midnight Club. Y a d'autres jeux hein, qui. Il n'y a pas que ces deux jeux-là hein, qui vont venir. Il hein. Y a d'autres jeux que vous m'avez dit depuis très longtemps, frérot, faut que tu les fasses en live. Frérot, machin, frérot, ceci, t'inquiète. Ah, c'est mort, là, tu les rattraperas pas. Ah, puis quand tu prends l'habitude, c'est bon, là, j'ai l'habitude de Forza. C'est chaud. Hein. C'est chaud. Hein. La conduite de TDU, bah celle-ci de TDU 2, tu passes à Forza 5. Ah oui! Ah oui. Que serait un let's play sans parler d'un coup de... Sans faire un coup de gueule. Alors, il faut savoir un truc, les gars. On va parler de deux choses. Deux choses quand même bien distinctes, mais qui se rejoignent. Alors, on va parler du plus croustillant pour vous. Mais je conduis comme une merde. On va parler d'une chose très distincte, hein, distincte. Bref, on va parler de quelque chose que je reçois énormément depuis que Forza Horizon. Alors, il est vrai que j'ai fait des vidéos sur Forza Horizon. C'est pas terminé, vous inquiétez pas. Et en fait, j'ai remarqué énormément de choses. Franchement, allez, voilà, les mecs qui me disent dans les commentaires, alors je les efface avant que vous ne les voyez, qui me disent, ouais, maintenant, tu suces Forza, tu vas pas sur NFS. Alors, pour tous les fils de pute, non, peut-être pas les fils de pute, non, excusez-moi, pour tous les connards, pour tous les connards qui me disent ça. Je vais vous dire un truc, les gars. Vous n'y étiez même pas sur ma chaîne que j'étais déjà en train de faire du Forza Horizon 3. S'il n'y a pas eu de Forza Horizon 4, c'est parce que je n'ai pas aimé l'environnement du jeu. Je l'ai dit maintes et maintes fois, je reviendrai plus jamais là-dessus. Sauf il y a des moments. Mais me dire que je suce un jeu pour faire des vues, alors que ce jeu-là, cette licence-là, j'étais là avant, peut-être même vous, ça me fait mal au cul. Et quand j'entends des mecs, écoutez bien, qui me disent, ouais, mais de toute façon, tu vas sur Forza pour faire des vues, et puis de toute façon, ce jeu, c'est de la merde, alors qu'ils sont sur PlayStation, mais... Ah putain, mais... Oh! Mais vous n'avez pas le droit à la parole. Vous n'avez pas le droit à la parole. Ah, on va faire du game d'une dictature, s'il faut, hein. Il n'y a pas de problème. Ah non, non, non. Non, mais ça me fait rire, ça me fait tellement rire. Quand je vois des mecs me dire qu'ils n'ont jamais mis les pieds, qu'attendent, il y en a des, ils attendent les week-ends gratuits pour jouer au jeu et après donner son opinion. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. T'achètes déjà même pas le jeu. Ferme ta gueule. Voilà, point final. On se le dit clairement. Voilà. Tu vois? Non, parce que honnêtement, me dire ça alors que j'étais sur Forza Horizon 3, j'ai fait des vidéos sur Forza Horizon 4, je vous ai dit comme quoi j'aimais pas. Je vous ai pas présenté le jeu. Là, le jeu, je l'aime. Donc, je suis forcément un suceur. Bah, ma foi. Mais par exemple, j'ai été sur deux, trois autres chaînes YouTubeurs, que ce soit des Français, des anglophones, etc., qui font autre, qui n'ont presque jamais touché à Forza. Eux, on leur dit rien. Ah, c'est trop bien! Les gars, je suis en train des fois de me dire qu'il y a un pot pourri dans ma communauté. Je le dis sincèrement, qu'il y a un pot pourri dans ma communauté. Et puis, bah, il est là, quoi. Il est là pour faire chier. Après, voilà, c'est des rageux, etc. Bon, encore une fois, JCK, voilà, tu t'en fous, nanana. Mais les gars, je vous le dis, je prends en compte tous les commentaires et également les mauvais. Mais là, c'est de se foutre de la gueule du monde, quoi. Allez, nique ta mère, là. J'ai même pas envie, tu vois. J'ai même pas envie des trucs comme ça, frérot. Ça me pète les couilles.
Et puis après, t'as le deuxième thème, pardon. Alors, je vous ai présenté une astuce sur Forza Horizon pour faire de l'XP et de l'argent et avoir des wellspins pour encore avoir de l'argent sans jouer réellement. Alors, j'en ai marre. Faut que ça se finisse. Faut que ça se finisse très très vite ce jeu. Ce jeu, faut que. Ah ouais. Ah ouais, là faut. J'en ai marre. J'en ai marre. C'est tout. Comment dire? Là, donc je vous ai présenté en fait cette astuce-là, qui est une option du jeu. Et après, bah, tu fais comme tu veux. Toi, tu l'actives, soit toi, tu l'actives pas. Bref, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ça te permet en fait de bloquer. En fait, la direction et l'assistance au freinage est activée. C'est-à-dire que tu as simplement accéléré et là, le jeu fait tout. Tu touches pas le joystick, tu fais rien en fait. Et l'astuce, elle était de bloquer avec un élastique l'accélérateur et tu faisais 50 tours sur le Goliath si tu en avais envie, etc., etc. Bref. Je le répète, on est sur un jeu. Mais pourquoi elle glisse comme ça, cette vieille salope de Bugatti de merde qui m'a coûté 5 millions ou je ne sais pas combien? Bref. Donc du coup, maintenant, ce que je reçois comme message, et j'en ai parlé un peu sur Twitter, ouais, mais faut pas se respecter, dédicace à Tolinks, hein, qui ne me suit plus. Si tu passes par là, tu ne me suis plus, frérot. Qu'est-ce que tu viens aimer les likes des autres pour me contredire moi? Est-ce que moi je vais sur tes vidéos ou sur tes tweets, hein, te dire ceci, cela? Non? Non? Bah non? Tu vois, bah non? Donc, gratte la merde comme j'appelle ça. Ça, y a pas de problème. Tu fais ce que tu veux, écoute, ma foi, si ça t'amuse, ça t'amuse. Pas de problème. Mais quand on me dit il faut pas se respecter pour faire ça, c'est un glitch, etc. C'est un glitch. D'accord. Donc, un glitch, pour moi, la définition d'un glitch. Un glitch, c'est une faille dans un jeu. C'est une faille. Là, il n'y a pas de faille. Il n'y a pas de faille en fait, vu que le jeu te dit, peut te donner l'opportunité, pardon, de pouvoir tout simplement, voilà. Ah, ce passage-là, les gars, je l'aime pas. De pouvoir, c'est une option, voilà, que tu peux exploiter, etc., etc., bref. Et là, on me dit, ouais, tu présentes des glitches, gnagnani, gnagnagna. Oh, fermez vos gueules! J'ai jamais fait de glitch. Alors, le même m'a dit, ouais, t'as jamais fait de glitch? Ta vidéo de présentation de ta chaîne, c'est un glitch? Alors non, c'est un bug. C'est un bug. Voilà, je le dis. C'est plus un bug qu'un glitch. Voilà. À part ça. Parce que, en soi, avec la technique que je vous avais présentée, pareil sur NFS Hit. Pour éviter de se faire choper par les flics, etc. Elle t'apporte rien. Elle ne te fait pas monter ta rep. Elle ne te fait pas de gagner d'argent. Tu vois? Elle ne te fait rien. Et on me dit, ouais, mais après, eh ben, quand tu fais du multi, eh ben, tout simplement, les autres sont désavantagés par des mecs comme toi qui trichent. Mais ferme ta gueule! Ferme-la! Qu'est-ce que tu veux être désavantagé? Sur des trucs sur Forza Horizon, l'argent tu peux t'en faire. Ah non, pas ça. Tondeuse! Bugatti à 5 millions, t'inquiète. Non mais c'est un truc de ouf. Non mais on m'insulte de tous les noms. De tous les noms. Pour ça. Mais alors, il y en a des. Je prends les noms, parce que c'est sur leur chaîne. Et j'ai pas. Il n'y a pas de problème. Tu prends le THMS, tu prends même Gaming 06 qui faisaient eux des glitches. Eux c'est des glitches. Ah eux on leur dit rien. Ah non, eux on leur dit merci. Mais JCK qui fait une astuce en 3 ans. Une astuce en 3 ans. On va me péter les couilles longtemps. Non mais. Arrêtez. Arrêtez. Après moi je m'en branle. Les autres ils font ce qu'ils veulent. Moi, des glitches sur NFS, j'en présente pas. J'en présente pas parce que
NFS, honnêtement, se faire de l'argent, c'est pareil, c'est rapide, etc., etc. Mais là, sur Forza Horizon, on te donne l'opportunité. On te donne une opportunité quand tu vas faire un truc dehors, quand tu vas faire tes courses, ou quand je sais pas quoi, l'opportunité de quand même jouer au jeu. Sans y jouer. C'est une astuce. Bah, après, chacun voit comme on y voit. Tolinks, etc. Chacun, attention, les gars. Hein. J'ai dit que c'était un gratte la merde. Dans le fait de venir quand même sur mon profil, tu vois ce que je veux dire, et de liker les commentaires qui vont contre moi, tu vois. Ça, pour moi, voilà, tu me suis plus, t'as même pas, moi, du coup, moi, je le suis plus non plus, parce que bon, je le suivais, tu vois, on se parlait entre guillemets assez plus ou moins souvent. On était souvent en contradiction l'un et l'autre, mais voilà. Moi, j'ai jamais dit, entre guillemets, je sais pas, je sais pas. Chacun voit ce qu'il comme il veut, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Les moteurs chauffent sur la Honnêtement, Terre. j'aurais voulu vous présenter des glitches, Dernier moment de faire des combat. vues sur des vidéos, Avant la j'aurais frontière. bombardé NFS. Quelle J'aurais bombardé surprise. NFS. Je vous aurais présenté comment devenir millionnaire, milliardaire sur NFS. Payback. J'aurais pu tout vous présenter, j'aurais pu vous faire une vidéo avec Cheat Engine où le jeu était totalement modifié, où j'avais des milliards, où j'avais des milliards de jetons, etc., etc. J'aurais pu, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Tu vois? Et là, je présente une astuce qui est avec le jeu. Ouais. Je vous dis, les gars, il y a des fois... Quand t'es youtubeur, alors moi ça va, 30K, on arrive aux 30K, ça va. J'ai pas trop à me plaindre, tu vois. Mais le pire, tu vois, moi je sais pas, Enfin bref. Après, si vous en voulez des glitches, hein, j'en ai plein. Hein. Que ça soit sur NFS, que ça soit sur Horizon, il y en a plein de glitches, hein. Je peux vous en présenter plein, 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 je les connais. Je les connais. Je les connais. Mais je ne vais pas vous les présenter. Voilà. Je ne vais pas vous les présenter. Oh non. Ouais, pas ouf, hein, la Bugatti. Alors, je conduis comme une merde, mais comme une merde. Hein. Bah, alors là, je crois que ça va être le titre de la vidéo. Je conduis comme une merde. Ouais, je crois que ça va être ça. Elle va être longue la vidéo tout autour de l'île. Elle va être longue. Mais bon. C'est comme ça. Non mais après voilà, moi, les autres pensent ce qu'ils veulent. Ceux qui veulent faire des glitches, faites des glitches. Moi je m'en branle. Moi en fait, en fait, pourquoi je voulais pas faire de glitch? Déjà dans un premier temps. C'est que pour moi, faire des glitches, ça t'amène une communauté qui vient là uniquement pour voir le glitch, tu vois. Tu vois, j'aurais pu même en faire bien avant, j'aurais pu en faire sur Payback, même 2015 à l'époque, même sur Halo 3, hein, Halo 3, j'aurais... Halo 3, il faut que j'arrête de jouer à Halo Infinity, quoi. J'aurais pu en faire, tu vois. J'aurais pu en faire sur Forza Horizon 3, etc. Parce qu'il y en avait plein, il y en avait énormément des glitches à l'époque, hein. Mais c'est vrai que maintenant, en même temps, ils te disent, ouais, t'as une option, tu peux mettre ça. Bah ouais, mais tout le monde se rue là-dessus. Et c'est tout à fait normal, tu vois. Et puis, en soi, quand tu vois une personne glitcher sur Forza, que ça soit, comme je vous l'ai dit, pour ça, en fait, tout simplement, pour avoir des wellspins et tout. Général, Forza, c'est un jeu, en général, qui est solo. Ou en coop, tu vois, tu vas jouer avec tes potes, etc. C'est. Ouais, je sais pas. C'est assez bizarre, en fait. Comment les gens raisonnent, en fait. Se sont T'as les encore justiciers, en fait, que. Voilà, Ils eux. sont Pff, là voilà, ils pour sont là, tenter et de puis. peser Voilà. du pain. Mais. Moi, je vous dis, hein, moi, j'aurais pu vous faire des glitches de ouf, hein, sur Payback, hein, des glitches. Même sur Hit, hein. On n'a pas besoin de tergiverser, hein. On voit pas la map. Putain, je voulais rien de son voyage la map. Y a pas besoin de tergiverser Milan, hein. Je te le dis, hein.
Sur Hit, directement, Cheat Engine, on pouvait l'utiliser. Alors, Cheat Engine, c'est un logiciel pour modifier les valeurs du jeu. J'aurais pu totalement vous présenter NFS Hit directement avec 1 milliard de crédits. Et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Alors, il y en a des vont me sortir. Ah, mais. De toute façon, t'es avec maintenant Yay. Donc maintenant, tu vas préparer. Tu crois honnêtement et sincèrement que pour les beaux yeux d'Yay, si j'ai envie de vous présenter un glitch, je vais pas le faire. J'en ai rien à foutre. Ah, j'en ai rien à branler. Ah, rien du tout. Ah, bah, le partenariat, il saute. Hein. Oh là là, bah, alors si tu savais comment je m'encarre. Alors c'est une réussite, hein, c'est une fierté entre guillemets. Hein. Et je pense que pour tout le monde. J'ai même pas passé du coup le radar. C'est agréable, c'est cool. C'est sympa. On va le passer dans l'autre sens. De toute façon, je finis premier coûte que coûte. Voilà. Mais bon. Mais je crois que je vais en faire une vidéo. Vous savez quoi, les gars? Je crois que je vais en faire une vidéo. Je vais en faire une vidéo du glitch. Je vais parler, les gars. Je vais parler. Je vais parler. Ça sera une vidéo coup de gueule. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo coup de gueule. On va en faire une. Tu vois? Ouais, oui, je gueule souvent. Oui, j'aime bien gueuler sur des trucs et peut-être me contredire après. Hein, pour faire plaisir à certains. Mais ouais, je vais le faire. Je vais le faire. Rien à foutre. Strictement rien à branler. Oui. Au bout d'un moment, faut se dire les choses comme elles viennent. On s'en branle. Ah, il y a un petit contre-la-montre là. Ouais, c'est un espèce de vol. Bah, de vol, on comprend. Non, après, voilà. Vous me connaissez, les gars. Si j'aurais voulu faire de l'argent depuis bien longtemps sur YouTube, t'inquiète pas que j'en aurais fait de l'argent sur YouTube. Déjà, de base, j'aurais quand même joué à The Crew 2 à fond, même si ça m'aurait pas plu, etc. Donc, voilà. Ah, c'est un circuit à 2 tours. Ok, d'accord. J'aurais voulu, comme je vous l'ai dit, les gars, je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Il va me péter les couilles, ce circuit, j'y sens. C'est le même débat avec les gens. Alors, je vous en ai parlé hein, dans ma dernière vidéo. Battlefield. Alors, j'ai désinstallé, mais là, je l'ai remis. Alors, je l'ai remis parce qu'en fait, il y avait un mode que j'ai pas testé. Percé. J'avais pas testé le mode percé, il me semble. Je sais plus. Et, tu vois, horrible. On est tous d'accord pour dire que le jeu est horrible. Hein. Le jeu est sincèrement horrible. Et en fait, quand tu vois les. Alors, il y a un youtubeur que je ne connaissais pas, que du coup j'ai suivi, c'est le PCiste qui a tweeté un truc. Et du coup, le gars, tu vois, quand il parlait de Battlefield et tout, je dis, ouais, putain, lui. Ah, lui, on est copains, tu vois. Tu sais, c'est un mec qui dit réellement, tu vois, ce qu'il pense. Et là, je me suis dit, putain, je suis pas tout seul, tu vois, à le penser. Et. Ah vas-y gros, vas-y, 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 j'en ai marre, j'en ai marre. Le jeu, là, tout de suite, là. Toi, si je pouvais faire, hop, et terminer. Ah mais, là, tu vois, si ma sauvegarde, elle saute, je ne remets pas le jeu. Ah non. Ah non, 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 non. Non, non. Non. Attends, je vais pas parler de malheur, parce que...
Allez, on va essayer de s'améliorer, on va se concentrer sur les points de passage, dans les virages, et puis ça va bien se passer. Ouais, j'ai découvert un youtubeur, alors je pourrais pas vous dire le blaze, hein, parce que je m'en souviens plus. Je pourrais pas vous dire réellement le blaze, mais j'aime beaucoup ce qu'il dit, et à chaque fois qu'il teste un jeu, il le dit réellement, quoi. Tu vois, mon avis par rapport à Skyrose a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Parce que bon, quand Vanguard est sorti, le jeu était bien, maintenant c'est la pire des merdes. Battlefield, tout le monde sait que c'est de la merde, bah, apparemment lui non, bon après, voilà, il est changer, merci. Mais nique ta mère, au bout d'un moment, la physique de ce jeu! J'ai sans doute la voiture la plus rapide du jeu. Et peut-être la meilleure. Mais non. Et ouais, quand j'entends ce qu'il dit sur Battlefield, ouais, le jeu il est bien, il suffit de quelques mises à jour et le problème va être réglé. Non, mais le jeu est nul. Le jeu est vide. Non, mais normalement, faut arrêter, hein. C'est pas parce qu'on est EA Changer, mes couilles. Ah, je peux plus! Je ne peux plus! Je ne supporte plus ce jeu! Je vous le dis sincèrement! Là, je ne le supporte plus! Là, j'ai envie de quitter, là! Là, j'ai envie de quitter! Ah bah là, j'en ai rien à foutre d'être dernier ou quoi que ce soit. Ah bah... Non, c'est vrai que des fois, tu vois... Là, tu vois, même ces vidéos et tout, c'est que des vidéos faites à partir de ces streams. Frérot, c'est ton métier, au bout d'un moment, de pas faire des vidéos pour ta chaîne, quoi. C'est bon, tu regardes ces streams, t'as vu ces vidéos. Oui. Super. Bon, à part ça, le personnage... Oh, ah, je peux plus! Je peux plus! Je vais péter un plomb! Je vais tout casser! Je vais tout casser! Allez, je vais tout péter là! Je vais tout péter! C'est de la merde! C'est de la merde! C'est de la merde! Clairement! Cette course, cette bagnole, c'est de la merde! Je suis à deux doigts d'en acheter une autre! Ah, je peux pas, c'est pas ma manette! Mais tiens! Tiens, fils de pute! J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Vivement que ça se termine. Vivement que ça se termine. Vivement que ce jeu-là, je fasse clic droit désinstaller, frérot. Vivement qu'il y a le clic droit désinstaller. Je te le dis. J'ai mis du coca partout. Putain. Et j'ai rien pour nettoyer, bien évidemment. Sinon, c'est pas rigolo. Je crois que je vais aller manger plus tôt, tu vois. Je vais aller bouffer plus tôt. Putain. Oh putain, j'ai mis du coca sur l'écran aussi. Putain. Allez, freinons comme un gogol avec une voiture à 1000 chevaux. Souvenez-vous comment j'étais heureux le jour où je vous ai dit c'est bon les gars, je vous le fais en live. Pour changer de NFS, mais je ne dois pas partir de NFS, je ne devrais pas. Je ne devrais jamais partir de NFS. Ma vie c'est NFS en fait. C'est comme ça. Alors là on freine et on saute. Voilà. Et là... Ah, il y a un moment, faut gueuler pour s'imposer, hein. Oh, je suis en moins, ben, allez, nique ta mère le jeu, nique ta mère, allez hop, c'est bon.
J'en peux plus. Mais me repars au bout d'un moment, 4 roues motrices, 1000 chevaux, frérot. Nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère. Allez les gars, allez, ça se finit plus tôt que prévu, hein. C'est bon, stop, hein. On arrête là. Je ne finirai peut-être pas le let's play, c'est peut-être le dernier. Mercredi prochain, il y aura sûrement un autre let's play. Je vous le dis. Voilà, vous pouvez dire ce que je veux, que je suis une pute, etc. J'en ai rien à foutre, le jeu. Nique ta mère. Allez, c'est bon. C'était JCK. Ciao, bye.